Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un petit scrap room tour où je vais vous montrer mes différents éléments de rangement pour tout mon matériel. Et c'est parti! Alors tout d'abord, je vais vous parler du rangement de mes tampons clear, dyes et plaques d'embossage. Je les range dans des bannettes en plastique pliables qui viennent de chez Emma. Elles sont très pratiques, existent en trois formats différents. Moi ici, c'est le modèle S qui fait 20 de large, 30 de long pour 11,5 de hauteur. Elles sont à 6,50. Et dedans, je vais pouvoir ranger voilà, mes matrices de découpe. J'ai une bannette pour les dyes, une bannette pour les tampons clear, les petites enveloppes et pour les grandes enveloppes aussi. Donc je mets tout dans des pochettes plastiques que j'ai chez Action. Je vous mettrai le lien dans la vidéo juste en dessous. Non, je vous dis des bêtises, elles viennent de chez AliExpress, pardon. Pas de chez Action, de chez AliExpress. J'en ai pas trouvé des similaires dans le commerce. Donc c'est pour ça que je les achète sur Ali. Et ça me permet de les avoir moins chers également. Donc dedans, je mets des dyes, je les mets recto verso, je mets un morceau de papier aquarelle entre deux. Comme ça, ça me permet de noter la référence du produit sur l'enveloppe. Pour moi, c'est un gain de temps quand j'organise mes crops, parce que comme ça, je sais, je fais un tableau avec tout le récapitulatif des produits que j'ai utilisés. Et j'ai pas à rechercher le nom du produit, c'est marqué en dessous. Même pour les filles de mon cours, comme ça, elles savent, si elles ont un coup de cœur sur un produit, elles savent comment il s'appelle et c'est plus facile pour elles pour le retrouver dans le commerce ou sur Internet, si elles le souhaitent l'avoir à la maison. Ensuite, j'ai un système de rangement par couleur, par petite pastille. Donc, c'est rangé par thème, c'est pas rangé par marque chez moi, c'est marqué, voilà, vraiment, c'est rangé par fleurs, feuillage, les textes, étiquettes et formes, les motifs, Noël, bébé, etc. Et ensuite, je mets des numéros sur mes pastilles. Donc, je mets un D quand c'est un die. Donc, D1, D2, D3, D4, etc. Et pour les tampons, je mets un T comme tampon. Hein, et le même système de rangement par pastille de couleur et par thème. Comme ça, les filles de mon cours, quand elles empruntent, par exemple, une planche de tampon clear fleur, elles savent que c'est la pastille rose et que c'est le tampon T3. Elles vont le ranger au même endroit à T3. Donc, voilà, ça me permet vraiment une organisation plus simple du matériel. Et comme ça, quand je cherche quelque chose, je cherche une fleur, je sais tout de suite où le chercher. Pour les bannettes, il y a également voilà, un autre format. Il y a un modèle plus grand, modèle M, qui est le 30 par 40 par 17 de hauteur. Celles-ci, elles sont à 10 euros. Donc moi, j'ai que des S, hein, j'ai pas d'autres modèles. Et elles existent aussi en modèle XS, donc en 13 par 18 par 8 de hauteur. Et celles-ci, elles sont à 4 euros. Donc comme vous voyez, même système de rangement pour les tampons clear, en recto verso. Pour ce qui est de mes papiers, ils sont rangés dans des caissons qui s'intègrent dans mon meuble Kallax IKEA. Et ensuite, je les trie par couleur. Alors, les anciens papiers unis florilège côté un peu aquarelle, ils sont rangés par numéro, vu qu'ils sont tous numérotés.
Et pour les nouveaux, je les range tout simplement par couleur. Voilà, comme cela, je les range par couleur. Et je garde une étagère pour mettre mon tapis mousse 30,5 par 30,5 avec toutes mes storyboards. Comme ça, vraiment, il reste à portée de main quand j'ai besoin. Ensuite, là j'ai une partie de bureau avec ma Big Shot et juste en dessous je range mes tampons bois dans des grandes boîtes en plastique. Alors les boîtes sont une marque anglaise qui s'appelle Weston Box. Ils font des boîtes vraiment, vraiment super qui sont format idéal parce qu'elles ont la bonne hauteur pour contenir les tampons. Là mes boîtes elles font 31 pour 33,5 et 2,5 de hauteur. Donc la hauteur des tampons bois y rentre parfaitement. Au fond, je mets un papier d'alb où je tamponne mes tampons qui sont dans la boîte. Comme ça, quand je retire un, je sais où est-ce qu'il se range. Et pareil que les tampons clear, je les trie par thème ou là pour le coup par collection. Mais j'essaye vraiment de faire une boîte, voilà, tous les textes ensemble, toutes les fleurs ensemble. Et ces boîtes existent également en format A4. Donc ça me permet d'y ranger voilà, mes projets de crop, mes albums quand je les transporte. Comme ça les protège. Et je peux également voilà, y ranger mon papier imprimante par exemple pour éviter que ça prenne la poussière. Et dans les autres formats 31 par 33,5, je mets également voilà, mes chutes de papier ou voilà, quand j'ai un projet en cours, je mets tous mes papiers dedans. Donc ensuite ici vous avez toute ma partie bureau, j'ai que des meubles Kallax. Donc vous avez une partie voilà, avec ma Big Shot et mon ordinateur sur lequel voilà, je monte les vidéos YouTube, comme vous pouvez le voir. Et je fais également voilà, toutes mes fiches techniques d'album à cet endroit-là. Bon, le côté pratique c'est que du coup voilà, j'ai juste à tourner ma chaise, hop, je me réoriente sur mon bureau ou sur l'ordinateur. Voilà, je jongle entre les deux à ma guise. Et juste à côté de mon ordinateur, vous avez mon imprimante photo. C'est la Canon Selfie CP1300. Ensuite, pour le rangement de mes embellissements, du moins une partie, je mets ça dans les grandes fleurs de rangement Memory Keepers. Je trouve qu'elles ont un côté esthétique vraiment très sympa. Ça fait en plus une petite déco dans la pièce. Et ça me permet vraiment de ranger les embellissements dans les différentes pétales. Pareil par catégorie, les tampons ensemble, les boutons ensemble, les brads, les attaches parisiennes. Et ensuite j'ai mon petit chariot, pareil chariot Ikea, un peu fourre-tout avec ma tote, où dedans j'ai, voilà, j'ai mon cutter, mes ciseaux, voilà, tout mon petit bazar, mes encres. Mes lingettes, voilà. En dessous, j'ai une petite bannette avec toutes mes plaques plexi. Ouais, je sais, j'en ai pas mal parce que du coup, quand je fais des crops, il m'en faut pas mal pour mettre tous les clairs dessus. Et en dessous, j'ai une autre petite bannette avec toutes mes chutes de cartonnette que j'utilise pour mettre mes éléments en 3D dans mes albums. Dernière petite présentation, j'ai toujours Doudou avec moi pour le scrap. Il fait dodo sur mon bureau et il inspecte mes projets en cours. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées pour organiser votre scrap room. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à donner vos idées également d'organisation et de rangement de matériel. Ça peut sûrement en aider plus d'une. Parce que c'est vrai qu'au fil du temps, on entasse un peu le matériel. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt !